Bon, bah c'est bon, j'ai fini ma petite chasse, regardez. J'ai actuellement de quoi faire un sac de munitions encore plus gros. Oh putain, il me faut deux panthères nébuleuses. Parce que entre temps je me suis fait agresser par une panthère ici, je sais pas vraiment ce qu'elle foutait. Mais elle était là. Et bah du coup parce que les deux peaux de panthère nébuleuse que j'ai, c'est celle que j'ai tuée juste à l'instant. Donc je m'étais rééquipé de mon arc justement. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait acheter bah un nouvel arc. Pour ça je pense que je vais l'acheter. Je sais pas s'il est meilleur ou quoi que ce soit, j'ai juste vu qu'on pouvait faire ça. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une mission de Longinus juste ici. Genre à côté. Genre je me suis TP ici, les barrages c'est là. Et bah du coup Longinus c'est ici quoi. Du coup je pense qu'on va se la faire. Juste, est-ce que. Pardon. Est-ce que je peux. Yes. Je peux aussi lui acheter des armes. Parce que je pensais que c'était uniquement des recharges ou des trucs comme ça. Du coup l'arc courbe. L'arc recourbé, voilà. Oh oui, il a déjà plus de gueule. Je vais l'acheter. Je vais pas l'équiper. Par contre, je vais prendre. Et en métallique, mes réflexes. C'est quoi la différence? Attends, plus de portée, plus de précision. Bon, on va prendre plus de portée. Hein. C'est. Bah, pour la chasse, je trouve que c'est quand même nettement meilleur. Et du coup, on va reprendre notre petit sniper qui était ici. Voilà. Impeccable. Aussi, truc que je voulais acheter, c'est dans objet, j'ai vu qu'on pouvait acheter des améliorations de jetons. Donc c'est pour avoir plus de jetons de mercenaires. Même si je les utilise pas, au moins ce sera acheté. Comme ça, là, je pourrais en Merci avoir beaucoup. 5, il me semble. J'espère qu'on se reverra. Probablement. Du coup, Longinus, on est reparti avec toi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Je suis content de te revoir, AJ. Tu es venu faire l'œuvre du Seigneur? J'imagine. J'ai une confession à te faire, AJ. J'ai peur du mal, pas celui des autres hommes, car il est facile à regarder. Non. C'est le mal qui est en moi que je crains. Tu te souviens de mes péchés? De cet Ouais. horrible business dont je t'ai parlé? Ouais, les diamants de guerre là. Vous voulez parler des diamants, c'est Oui! ça? Et le sang de l'agneau lave de tous les péchés! Mais pour atteindre la pureté, je dois me repentir et faire acte de contrition. Il y a beaucoup d'autres péchés dans le Kilat. Ils doivent être punis. Commence. Trouver une brebis égarée. Suis-la, elle te mènera à une crypte. Rapporte-moi ce que tu y trouveras. Ah, on avait ce genre de mission dans Far Il Cry 3. réunit ses amis et voisins et leur dit: Réjouissez-vous, avec moi, j'ai retrouvé ma brebis. Ouais, on avait une mission comme ça dans Far Cry 3 ou enfin avec un bateau, je sais pas si vous en souvenez, et moi perso, j'avais assez galéré. Alors, atteignez l'emplacement de la destination. Hop, bah tout de suite. Bah franchement, c'est vraiment par hasard que j'ai vu ça, parce que j'étais en train gentiment de chasser le baral. Oh, le petit drift sur le côté. Hop, c'est contrôlé, on descend la montagne. Voilà. Du coup, on va redresser ça. Donc ouais, j'étais en train de chasser le baral, et là j'ai vu le L de Longinus, j'ai fait, ah oh, bah tiens. Bah, c'est reparti, hein. Parce qu'en vrai, ces petites missions comme ça, c'est un peu pour se faire pardonner de ces péchés qu'il nous envoie finalement. Genre d'où les diamants, là faut. Oula. Faut empêcher, enfin. Faut empêcher les trafics et tout ça. J'ai l'impression que ça va être un peu des missions comme ça avec lui. Comme on n'en a pas eu pour l'instant, bah ça me va, j'enchaîne. Hop. On va prendre la petite corde ici. Impeccable. Alors, trafic en approche. Attendez, sans vous faire voir. On peut jouer avec le frein à main, c'est marrant. Chose que je. Non, 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 non.
peut être fait soumettre jusqu'à sa chambre forte, ok. Bon. Niveau discrétion, en tout cas pour l'instant, c'est pas vraiment mon fort. Hein. Bah, après, ça devrait faire. Du coup, au lieu de le suivre gentiment, bah. On y va à fond les ballons. Olé. Ah, vous pensez que j'allais me le prendre l'arme. Et dans certains cas, vous avez raison. Imaginez si on aurait dû le suivre bon, à 10 km/h là. Ouf. Ok. Bon, les rhinos, faut passer large parce que tant merde, il t'envoie valser. Mais par contre là, je vais le perdre. Non, ça va. Ok, on est arrivé. Magnifique. Je vais même passer par là histoire qu'ils ne m'attendent pas. Ah mais non, c'est dans une grotte, du coup là je suis au-dessus de la grotte. Ah. Ouais non. C'est peu. Oupsie. C'est peu. C'est peu. C'est peu. C'est peu. Hey. Voilà. Merde, rends-moi mon arme. Merci. La clé de la chambre, ok. Et là, je présume qu'il va encore y avoir du monde. Ouais. En plus, je le dis, j'y vais comme un bourrin. C'est chiant à force. Ok. Récupérer les diamants de guerre, donc c'est encore pour des diamants qu'on est là. Ok, donc c'était les trucs là. Bon, il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. Bon, bon, on peut sortir du coup. Oula, je suis bien attendu. Juste avant, est-ce que j'ai rechargé? Non. Ok, on peut y aller. Pas envie d'y aller vraiment comme un bourrin non plus parce que je viens de réaliser que j'ai pas repris de seringue, donc ça pourrait être un petit peu gênant. Bah à croire que si quand même. Merde. Voilà. Impeccable. Vous permettez, je vous emprunte une voiture. Et hop là, ça roule. Merde. Nice. Mais bon, il a eu le temps de me caler une balle. Putain, je l'ai même pas eu. Porter les diamants à Longinus. Oh, il est là. Il est pas au même endroit. Et du coup, j'ai pas le droit au. Au chemin GPS là? Non? Bon, en gros, prochaine à gauche. Ok. Bon, oh, ça s'est bien passé. Hein. Bon, c'est pas comme la dernière mission qui était vraiment excellente dans l'Himalaya et tout ça, mais ça reste sympa. Tu vas essayer de prendre une clé pour entrer dans le. Désolé, mais tu me l'as dit un petit peu tard. J'ai déjà fait tout ça. Hein. Mais bon. Et finalement là on fait un détour. C'est pas grave. Ah ouais, et ce pont bleu, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait des dizaines de fois, c'est pas hallucinant. Il y a des chemins comme ça qu'on retient mieux que d'autres. Ok. Et si je me mets un conduite automatique. Il m'emmène direct ou il suit juste la route? Après là c'est toujours tout droit donc
serait pas très compliqué. Au pire, c'est pas grave. Je préfère piloter quand même. Après, j'avoue que quand t'as des camions et tout ça, c'est mieux d'avoir le pilote automatique. Comme ça, au moins, ça te... tu peux te focus sur un petit peu tuer le mec et tout. Plus simple. Je vais prendre quand même le petit coffre qui est ici. Voilà. Tu t'es caché. Mais oui. Il y en a un autre ici. Non? À l'intérieur? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et hop! Les diamants dans le coffre. Courte chasse, oui, c'est le terme. Du coup, la compétence pro de munitions a été débloquée dans le menu compétences. Qu'est-ce donc? Pro de munitions, le visée. La vitesse de rechargement de toutes les armes est grandement améliorée. Ah, c'est quand même intéressant ça du coup. Ouais, bon allez, on va se la prendre. Parce que bon, c'est quand même pratique de gagner, même si c'est des fractions de secondes. Des fractions de secondes, ça reste quand même pratique. Même ça, vous pouvez maintenant acheter des flèches explosives, des flèches incendiaires et tout le bordel. Bah, c'est pas mal quoi, c'est en fonction des situations. Ça me fait un petit peu penser à Crysis 3 pour ceux qui y ont joué, avec l'arc. C'est vraiment pas mal. Oh tiens, on peut jeter un cochon. Bon, c'est parfait. Encore des panthères nébuleuses. Ah, ça c'est chiant par contre. Je vais d'abord faire le sac de munitions. Croyez-moi. Alors, du coup, on en est où? Il y a une Longinus qui a pop ici. Bon, après, on va peut-être se calmer un petit peu. Les mises qu'on peut faire, c'est faire cette tour. Aller à cet avant-poste. Et aller à Yogi Reggie, là. Parce que on nous avait parlé d'aller voir notre maison. Et apparemment, ce serait là, la maison. On en a quand même pour l'heure. Ok. Ouais, j'irai bien voir. Franchement, ça m'intéresse quand même de revoir la... Bon, la maison de mon père. Bon, si on peut faire des trucs avec, c'est sympa. Oh, bon, ça c'est un coffre un peu bugué. C'est pas grave. Nouvelle quête longue disponible. Oui, je sais, je l'ai vu. On va d'abord aller faire un petit peu de piratage radio. Franchement, je sais pas si c'est agréable à jouer. Mais... Ah, regardez. Mais moi, je prends un sépia à chaque fois à tourner un épisode. C'est vraiment hallucinant. J'ai rarement pris autant de plaisir à tourner des vidéos. Ouais. Pour son bien à lui, quoi. Oh ! J'ai cru qu'il avait fait une petite roulade esquive là. Bon. Ah. Ouais, il a juste mis des billets sur la star. Il a juste mis sa tête sur des billets quoi. Ah bordel. Démarrage en côte. Paul cochon. Pourquoi ça devait être un sanglier, mais j'en ai pas forcément besoin. Même si on peut pas. Même si ça vaut de l'argent, mais je vous dis, l'argent dans le jeu, ça a vraiment pas l'air d'être un problème. Hein. Genre, vu tous les coffres qu'il y a et tout ce qu'on récupère, le prix qu'on vend ça, je pense vraiment pas que ce soit un problème. Hop. Hop là. Et peu. Hein? Toi, voilà. T'en as deux. Mais genre. Je comprends pas pourquoi, par contre. Des fois, il veut pas. Enfin. Ça. Bon, ouais, vas-y, tu m'as gonflé. Je comprends pas pourquoi, des fois, justement, une balle ça suffit. Peu importe où. Et des fois, non. C'est peut-être en fonction des mecs, mais. Enfin, c'est bizarre, ils sont pas l'air d'être blindés ni rien. Attendez, comment on fait? Il y a un grappin pour monter, non? Ah, une échelle, encore plus simple. En tout cas, il n'y a pas de coffre ni rien, donc là, on va juste tracer en haut. Et ouais, c'est vraiment sympa, je vous ai déjà dit ça, mais le fait que les tours ne se ressemblent pas et tout. Alors, ils avaient déjà essayé de faire ça pour le 3, mais bon, c'était quand même assez répétitif. Là, à chaque fois, c'est une nouvelle tour, tu cherches un petit peu, c'est sympa. Bon, finalement, il y avait un coffre.
Ils vont lutter sur le chemin. Hop. Voilà. On fait le tour. Je vais sauter là. Waouh. Je me suis dit aussi, c'est pas forcément logique. Par contre, par où est-ce que je repasse? Ok. Ouais. Après, entre la mitaille et sa balle, donc tu peux quand même choisir qui sont nettement plus soit traditionnels, soit. Enfin, je sais pas vraiment pour quel côté aller à Mita. Genre, elle voulait des infos la dernière fois. D'accord, finalement, il y avait tout simplement un crâne. Elle voulait des infos, mais c'était un peu bizarre. Genre, pour l'instant, on a eu que ça comme mission. Bon, après, on a la fabrique de thé à faire, mais je vous dis, pour l'instant, j'ai plein de trucs à faire. Et... Non, fallait peut-être encore monter en fait. Je peux pas me raccrocher. Hop. Est-ce que je peux me mettre aussi là du coup? Hop. Voilà. Et là. Toc. Arrête de nous inonder toi. Je sais pas. Faut être consentant monsieur. Même si t'es roi. Le sniper. Oula, il s'est passé quoi là-dedans? Pareil, il y a des petites grottes comme ça où bah que j'explore en off ou un petit pistolet. J'attends vraiment d'avoir des belles grosses armes. Mais ouais, il y a pas mal de grottes aussi, bah du coup que vous voyez pas, mais il y a pas mal de grottes qui sont quand même vachement bien détaillées. Il y a un petit message avec une histoire du mec qui est mort dedans ou des trucs comme ça. Et c'est vachement bien. Hein. Franchement, c'est dommage du coup que vous ayez pas ça. Mais hein. Bon, voilà, je peux pas vous filmer ça parce que franchement, bah, c'est vraiment du pur secondaire. Hein. C'est que du plus qu'ils ont fait. Allez, ouais, ça passe. Du coup. On va aller faire le Yogi Ricci. Encore une fois, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ceci est un message du ministère des Affaires publiques et de l'harmonie sociale. Hey, je vais te laisser finir mes radios Frikirate. C'est la meilleure radio de tous les temps. Ouais, tous les temps. Vous écoutez Radio Frikirate et c'est grâce à mon pote qui a réussi à libérer presque la moitié. Ah, vous voyez, là, c'est archi pratique quand tu... Quand tu fais la conduite automatique. Bon, faut quand même avancer, mais genre tu... Piu-piu. Par contre, il a fait les écraser. Oh, un camion. Bon, tant pis. La prochaine fois. Faudrait que je regarde aussi combien il m'en reste pour avoir l'arme en question. Ah ouais, c'est vrai, il y avait aussi le guerrier que je devais m'acheter comme arme. Ouais, mais écoute, v'la rush. Ouais non, j'ai clairement pas assez. Bon, peut-être pour la prochaine fois, pour jeudi. Avec de la chance, si j'ai farmé. Et c'est seulement si vous êtes sale. Hop. Les ondes sont à nous, et c'est Radio Picarade. Vous êtes au courant pour les grottes où nous organisons cette petite réunion? Quand je dis réunion, je suis gentil. Mais ouais, parce que j'ai l'impression aussi que les quand on désactive une tour, on débloque aussi des paroles de Rabin là. Parce qu'il dit pas la même chose en fonction des tours qu'on débloque. Je sais pas si c'est prévu comme ça ou si c'est juste que je suis jamais tombé dessus ou rien. Ah, donc ce serait la propriété des Gale. Ah, déjà je vais aller piller les coffres. Parce que c'est ma propriété, c'est à moi. Et puis même si ça ne l'était pas. Ah, un journal. Évidemment, journal de Moengel. Allez. Jolie petite peinture. Ah, c'était lui. Non. Non, il ressemblait pas à ça. Hein. Ah, parce que attendez, regardez. Mince. C'est pas ici, c'est collection Moengel. Vous voyez un peu à quoi il ressemble. Je pensais que c'était lui, mais non. Mince, c'est pas par là qu'on entre. Oh. Petite affiche,
blablabla. Vous pourrez lire ça. Et on lance une mission. En faire voler juste un seul. Non, faut être généreux. Faut faire voler une tonne de bœufs. Quoi, comme un vrai gros gong? Oh merde. D'accord. Des squatters. Ouais, ça médite. Bienvenue, mon frère. T'es dans un havre de paix. Où les démons de la vie moderne ne peuvent pas t'atteindre. Crains rien. Notre ami, Shiva, il nous vient de très loin, en quête de réponse. Nous pouvons les lui donner. Pour une somme modique. Oui, tout a un prix dans la vie. Je sens... Nous sentons. Nous sentons. Que tu veux savoir qui nous sommes? Bah, des squatteurs et des drogués, ça j'avais déjà compris. Voici Reggie. Mais toi, étranger, toi! Ah, mais du coup, c'est Yogi qui est capin, ce machin là. T'es le fils d'une légende! Hein? Je vois un monde dangereux et une mer au cœur entaché! Et Jigail! Oh! Bienvenue au Guru Ashram! Qu'est-ce que tu fais là? C'est la maison de mes parents là. Si vous dégagez. Oh? Hein? Pourquoi il veut qu'on s'en aille? Je ne sais rien, demande! Parce que vous êtes des squatteurs. Je suis là. Oh, il est juste là. Tant mieux pour lui, il sait où il est. Alors que vous êtes complètement paumé. Entre donc. Oui, je t'en prie, c'est vraiment comme chez toi. On nettoiera. Nous, on sera parti dans 5 minutes. Mais d'abord, un petit calumet de la paix. Mm-hmm. Pendant qu'on règle les détails. Ça te plaît ce genre de truc, non? Non, merci, vraiment, ça va aller. Mais qu'est-ce que vous faites là exactement? Jay, nous représentons les intérêts d'une femme de grande influence. Amita. Ouais, elle serait ravie de te voir en chair et en os pour un pot d'accueil. T'es le hors d'œuvre. Hein? Voilà, c'était la carotte. Bah, on va alors, le bâton. Oh, les bâtards. Mais... Ok, bon, le fait qu'ils se droguent, ok, pourquoi pas. Ils sont clairement pour Amita, parce qu'elle trafique aussi. Mais le fait de planter le bâton comme ça, non, je suis pas pour. Clairement pas. Oula, où est-ce que je suis tombé? Ah, on m'en a déjà parlé. Nos braves et valeureux éléphants. Ou les tigres féroces. Ou alors acclamez-vous les terroristes. Fils du terroriste Mohan Gale. Recherché par l'armée royale. Tueur d'hommes, de femmes, d'enfants, innocents du pirate. Il a abandonné son peuple pour rejoindre l'Amérique décadente. Et il revient, enchaîné, pour être jugé, jugé par vous, peuple du Kirat. AJK! Ah ouais. C'est un tribunal ou... Certains pensent que tu peux accomplir des miracles, AJ. C'est le moment de le prouver. Regarde à tes pieds quand tu seras dans l'arène. Il y aura une lame cachée dans le sable. Si tu ne survis pas, il n'y a plus aucun espoir pour nous tous. Ah mais elle est avec moi en fait. Oh ok. Bienvenue dans l'arène de Shannon. D'accord, donc c'est pas un... C'est pas un... C'est pas un tribunal, c'est juste une arène où je fais exécuter. Par contre, ils auraient peut-être pu me laisser mes vêtements quand même. Ok, bon. Oh putain, pas par là. Ah mais il y en a aussi de l'autre côté. Bon.
Vite, file-moi. Oula, 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 oula. Vite, vite, ton arme. Soigne, soigne, soigne. J'ai plus de balles, déjà. Par contre, la logique là, ils m'ont enlevé mes fringues, mais j'ai encore des allumettes. On en parle ou pas? Pousse, 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 esquive, esquive. Ah, bordel. C'est tendu quand même. Et j'ai pas de grenade ni de couteau de lancer ou quoi que ce soit. Parce que ça pourrait m'être utile aussi. Bon, du coup, y en a masse qui vont arriver de par là. Parce que finalement, ils viennent un petit peu tous. Putain, ils viennent un petit peu tous en même temps. Bon, les loups sont déjà déglingués. Nice. Ouais, je suis 100% mort. Oh là là, ouais. C'est archi tendu quand même. Faudrait que je rush direct un mec. Pour qu'ensuite je puisse espérer faire quelque chose avec, avec des armes. Sinon, ça va pas la peine. Non, j'ai pas l'arme. Hop, c'est bon, j'ai une arme. Bon. Ok. Merde, merde. Ok. J'ai pas de balles? Non? Si, ok. Fusil. Tant pis. Bon, va falloir viser juste. Ok. Ah, mais c'est la manche, la première manche est déjà finie finalement. Ah, bah ouais. J'essaye vite fait de récupérer des munitions ou des trucs comme ça parce que c'est un petit peu tendu. Ok, donc il n'y a personne là. Ok. Ça va peut-être bien se passer là ce coup-ci. Ah ouais, mais en fait, il y a deux camps et ils s'entretuent. C'est pour ça que ça va aussi vite. Finalement, faut un petit peu la jouer en furtif. Alors là, j'ai pas mal de balles quand même. J'ai un couteau, j'ai une grenade. Enfin, j'ai une molotov, encore mieux. Merde. Ok, là y'a personne. Je commande pas trop là parce que bah j'essaie quand même de me concentrer. Je suis quand même mort deux fois comme une merde. Après là je suis bien parti et j'aimerais pas recommencer. Parce que mine de rien, bon je suis pas en difficile, je suis pas en normal, mais ça reste quand même assez compliqué. Ok. Bah, après je peux. Mais oui je suis bête, je peux prendre aussi un fusil à pompe. Parce qu'avant je pouvais prendre qu'une seule arme. Parce que je voulais pas prendre le fusil à pompe parce que justement ça voulait dire que bah, au début j'enlevais mon arme principale. Alors que là bah je la garde quand même. Hop, hop, mince. Ok, pleine tête là par contre j'étais absolument pas dans la tête. Calme les enfants. Voilà. Vous voulez du meurtre, bah vous en avez. Ah un petit pistolet aussi. Le fait d'avoir le plus d'armes possible, ça reste quand même archi bien parce que du coup ça me fait plus en plus de munitions. Là je suis quand même vachement bien armé. Ok. Une dernière épreuve l'attend. Que le combat final commence. Donc c'est la dernière manche. Oui. Oh le mec il est chaud. Ils sont là? Non, ils sont là-bas. Ok.
Oh, mais il y a une trousse de soin là. Bon, ça se passe quand même relativement bien. Là, à mon avis, il reste plus que le gros. Non, il me reste mon petit. On va s'en sortir. Le tout en fait. Oula putain. Le tout c'est de s'armer. C'est de s'armer au début. Une fois qu'on a tout ce qu'il faut, bah ça se fait bien. Mais c'est bon. Hein? Oh non. Oh non. Alors ça par contre c'est pas joli. Oh yeah, je comprends pas. Non parce que finalement on m'a poussé par derrière, du coup ça m'a jeté sur ma grenade que j'avais lancée. Surtout qu'il n'y avait pas besoin parce que le crew il était déjà mort finalement. Oh et je reprends mes armes. Ouais, je reprends les armes. Magnifique. Bon, après, j'avais trop de soins du coup. Là, je l'ai. Oh merde. C'est bon, on les utilisait. Hein. De toute façon. Hop. Tiens. Le feu, il a l'air pas aimé ça du tout. Je sais pas si c'est parce qu'il s'était déjà pris des dégâts avant ou s'il est juste vulnérable à ça. Juste que je fasse gaffe qu'il ne monte pas. Ah, il est mort. Nice. Allez. Bon. Bah c'est pas ce que je préfère, mais on s'en est bien sorti quand même, on peut dire. Le tout justement c'est au début de s'armer. Ah, quand même bien avec des vêtements. Marchons un peu. Vous vouliez me tuer. Ouais, parce que du coup elle est avec moi ou pas? Stop. Attendez. Je vous en vénère. Écoute-moi bien. Paul a enlevé ma famille. Tant qu'elle est en danger, je suis piégée. Ah. Je dois faire tout ce que Pagan me demande de faire. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Scénario classique, quoi. Le Sentier d'Or veut la mort de Paul. Et il faut que je sauve ma famille. On peut s'entraider. Du coup, tu veux que je libère ta famille pour que toi, t'aies plus à faire ça. Comment? Bon, je suis désolé si vous avez pas eu la fin de la cinématique. Elle a quasiment rien dit après, hein. Elle a juste dit qu'elle était désolée d'avoir fait ça, bon, d'accord. Ok. Je suis pas forcément fan de ce genre de truc. Peut-être que j'en ferai un petit peu en off, mais c'est pas mon truc. Du coup, on est où, là? Ah, on est là. D'accord. Yogi et Riji sont encore là. Bah, vas-y, on va y retourner, parce que j'ai moyennement aimé le coup du bâton, comme ils appellent ça. Hop. Par contre, comment est-ce qu'on sort de cette merde? Parce que hop, on va zoomer un petit peu. Il y a un chemin par là, mais le plus simple c'est de suivre celui-là. Ok. Ouais, donc c'était quand même assez spécial parce qu'ils nous ont drogués et ensuite on est atterri direct dans cette arène. C'est assez spécial, hein. Bon, il y a un camion là, trop tard, je l'ai raté. Là, j'aimerais juste une petite voiture histoire de d'aller voir un peu ce qu'il en est, s'ils ont vraiment dégagé ou si ils sont juste foutus de ma gueule. J'aimerais te faire faire le tour du propriétaire un jour. En ce moment même, je contemple toute la richesse du Kirat. Médaillons d'or, statues en ivoire, sculptures de jade, tous ces magnifiques bibelots. En même temps, j'ai essayé de vendre tout ce que je pouvais à l'ouest. Et tout ce que je n'ai pas pu vendre, je l'ai fondu pour en faire quelque chose d'un peu plus contemporain. Le Sentier d'Or dit que j'ai pillé cette richesse, mais je n'ai rien fait de tel. Et ils se sont eux-mêmes volés en ne faisant rien d'utile avec tout ça. Il y a là une leçon pour toi, AJ. Les gens sont hypocrites. Ils veulent tous quelqu'un à blâmer pour leur vie de merde. Et ils ne veulent jamais accepter leur part de responsabilité. La prochaine fois qu'ils pleurnichent pour la construction d'écoles ou de cliniques. Hein? Attends, là j'ai pas compris. Pourtant j'avais déployé parachute et tout. Décidément, je comprendrai jamais cette win suite.
Ah, et du coup, je suis encore là. Y a pas un autre. Ah non, celui-là, je l'ai pas fait. Vas-y, je vais me téléporter ici, ça ira plus vite. Parce que là, finalement, y a pas de voiture à disposition, y a rien. Donc, c'est un peu la merde. Ouais, ok. Ah, c'est un lance-fusée finalement, le petit pistolet que j'ai gagné avec la tour tout à l'heure. Hop. C'est. Ouais. Autant se téléporter ici. Et limite, du coup, je sais pas si vous serez très content. Enfin, on a déjà fait un Yugi-Rigi. Ok, on a hâte d'aller leur péter la gueule. Mais si on fait ce camp, bah, on pourra y aller dans le prochain épisode. Parce que là, on va bientôt arriver de la fin. Et étant donné que mon logiciel de record a encore fait de la merde, bah, j'aimerais pas que ça arrive en pleine mission ou des trucs comme ça. Pour ça, Ceci est bah. un appel d'urgence. Oh. Notre avant-poste subit une attaque. Ok. À tous les agents du Là, par contre, je suis dans là. la zone, répondez. Police! Oh merde. Oh, me dis pas que j'ai bloqué l'accès en plus. Bon, ça, je peux passer au-dessus. Alors, du coup, on se fait attaquer. Feu. Feu. Ok. C'est sympa qu'on puisse se refaire attaquer les avant-postes. Ça, bah, ça rajoute du jeu. Parce que justement, bah, Far Cry 3, une fois que t'avais eu tous les avant-postes, bon, je dis pas qu'on se faisait chier, mais parce qu'il y en a à faire. Mais disons que, ouais, il y avait plus rien à faire. Hein. Hey. Hein, là-bas, je l'attends en fait. Putain, fais gaffe toi quand tu relèves ta tête. T'as failli te prendre une balle perdue. T'es mort ou quoi? Nice. Tiens, on va se tuer. Ok. Bon, ouais, c'est parfait. Du coup, on a réussi. Après, je pourrais aussi reprendre des munitions. Ouais. Je vais vite fait aller me refaire un stock de seringues plus de. Mince, bah, gilet pare-balles, tout le bordel. Histoire d'être vraiment ok pour prendre cet avant-poste. Parce que c'est tout le temps chiant quand t'arrives là-bas et que tu fais ah, j'aurais dû en prendre. Et du coup, attendez, parce que j'aimerais voir aussi confection, kit de seringue. Ok, il faut des pots de sanglier. Parce que ce serait bien aussi de pouvoir avoir un peu plus de seringue. Parce que 3, ça part très très vite finalement. Vu le nombre de fois qu'on se fait attaquer ou trucs comme ça. Ça part vraiment très vite. Du coup, hop, on va pas rentrer par le coffre. On va aller ici. On va libérer encore des camps. Non, j'ai pas besoin de les tuer. Je suis gentil, hein. Votre ami Ravi Rana qui vous parle. Vous savez que vous dites toujours la vérité, mais qui raconte pas la rue. Merde. Oh non. Allez. Yes, repart. J'ai cru que je l'avais calé et que du coup j'allais devoir me taper la route à pied. Il a réussi à sortir de toi. L'impossible quoi. Et là où ça se croche vraiment. Eh ouais. Tellement blanc que c'était à deux doigts d'être un peu raciste. Eh hey. Vous voyez en train d'attaquer un tigre dans le plus simple appareil. Admettons que vous accrochiez un tigre tout en étant à l'aise. Vous préféreriez que le tigre vous tue tout de suite, ou que vous arrache la bite en vous laissant en vie. Moi, tue tout de suite. Clairement. Vous choisirez d'y laisser sa bite parce qu'il a déjà pas de couilles. On va pas en jeter au tigre. Prends-moi complètement, tue-moi tout de suite. Mais, plaque de la musique. Surtout, quand je dis que t'as pas de couilles, c'est une image. Mais il faut que t'en aies une, hein. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime bien libérer les tours, parce qu'il y a plein de conneries comme ça. Là, il nous parle de du combat d'arène qu'on a fait. Putain, c'est là. J'ai failli. Bon, par contre, vous allez vous faire allumer, hein.
Bon après s'ils peuvent déjà descendre les trois quarts des personnes avant que je commence, bah, c'est sympa quoi. Après il n'y a pas de point en hauteur. Il y a un mec là-bas, à la rigueur que je peux tuer tout de suite, hop. Hop. Ça c'était gratuit, ça en fera un de moins à me faire chier. Ok. Ok. Ah, il y a un mec là-bas. Ah. Merde, putain, tu te fous de ma gueule. C'est tellement chiant les chasseurs, tu les vois pas sur ta map. Bon, du coup. En plus, à mon avis, c'était le dernier. Hein. On vient vous rejoindre. Limite, attendez. Hop. On arrive par la route, vous allez recevoir de l'aide. Je vais appeler des mercenaires parce que j'en ai jamais appelé. Et faut bien tester un jour, quoi. Vite, 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 cassos. C'est pas ma guerre. Putain, mais ils sont résistants quand même aussi. Bon, finalement, les mercenaires, ils auront même pas le temps d'arriver avant que je te mette une balle dans la tête. Voilà. Finalement, j'appelle mes potes, je leur dis bon, c'est bon, l'avant-poste est libre, alors qu'il y a encore les renforts qui arrivent. Je fais le ménage avant qu'ils arrivent. C'est propre, hein. Ouais, t'arrives juste un petit peu tard, mon pote. Ah bon, en plus, il y a juste un mec. C'est ça, mes renforts. Ah, putain. Et du coup, il me suit. Ouais, il me suit. Bon. On aura testé. Mais après, c'est peut-être plus pour les... Mince, les forteresses et tout ça, que ça va être utile. Parce que là, par contre, j'aurais sûrement besoin d'aide. Du coup, cet avant-poste est fait. J'ai pas envie de la faire aujourd'hui, la Yogi Rie. Pareil, m'ont drogué un coup, c'est bon, ça suffit. La rigueur, ce que je peux faire, c'est aller faire ce petit avant-poste. Ça, je vous dis, on continue à avancer. Là, on a déjà fait un petit peu d'histoire. On a fait quoi? On a fait une Longinus et un Yogi Rie, du coup, plus un combat d'arène. Qui finalement sont la même chose, mais. Enfin, voilà quoi, c'est. On s'est pas touché tout l'épisode quoi. Y'a pas de véhicule. Mais il faut qu'on fasse vite. Putain, c'est quoi ce bordel? J'ai des munitions. J'ai juste pas de. De. Comment ça s'appelle? De Molotov. Oh. Calibou! Cali! Allez, 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 vous. C'est bon? Ouais, c'est bon. Oh! Je réquisitionne votre véhicule. Oh, les gars, fait une attaque. Oh, c'était mythique. Ils se sont pris un. Ah merde. Un egg sur le pare-brise. Il a fait une attaque. Ok, je croyais que c'était des paquets de drogue dans le coche. Mais c'est quoi cette merde? Et pareil, même si c'est pas forcément mon style de musique, ça se prête bien avec le jeu, j'aime bien. Genre des fois, même quand Yogi... Enfin, j'allais dire Yogi Rie, mais... voilà, Rabini Rana la commande pas, bah ça reste sympa. J'essaye de viser les pneus, mais je galère un petit peu, je vous avoue. Ils s'en font en fait des pneus. Bon, tant pis. Je vais faire. Ah, mais.
Non, bien ce qui me semblait. Parce que je pensais que c'est le fait d'avoir tourné, je pensais que ça tournait en même temps que la caméra que m'a sauvé, mais non. Bon, on va juste faire un épisode, enfin on va juste faire cet avant-poste parce que là je commence à mon avis à vraiment plus avoir de place sur mon disque dur. Et ça commence à gueuler là. Genre à chaque petite ellipse finalement vous sachez que vous savez que c'est de la faute de mon disque dur qui. Toi. Voilà. Celle-là tu l'as mérité. En fait je devrais peut-être commencer par désactiver l'alarme. Comme ça au cas où si je me fais repérer bah j'ai pas de problème derrière. Parce que là finalement je suis tous en train de me les faire mais si je me fais repérer comme ça par exemple bah voilà exactement de ça que je parlais. Saleté. Bon bah on va rappeler un. Non, hop, comme ça. Les renforts sont en route. Allez-y, allez-y. Ah, je peux prendre l'éléphant. Parce qu'il y avait ça aussi. Comment je fais pour rentrer? Toi, laisse-moi tranquille. Merci. Hop, c'est eux. Ouais, c'est ça. Allez, on fait un tour en éléphant. Chargé. Tourne. Excellent. Démonte-le. Marche arrière. Ah, je peux viser en plus quand je tue. Comment ils volent comme des merdes. Bon bah voilà, on a cessé l'éléphant. Depuis le temps qu'on devait le faire aussi. Bah après, il y a toujours pas de peinture dessus, je suis déçu là. C'est quoi ce bordel? Je me suis fait arnaquer. Hein. Bon, t'es une gentille bête. Tu m'attaques pas du coup. Bon. Pour dégager un peu ça, je peux pas passer. Voilà, merci. Hop, on prend les 2-3 coffres qui traînent comme d'habitude. Va falloir aussi que je m'occupe des missions de ce style là. Vous voyez les petits trucs là. Genre je vous en fasse une de chaque en vidéo et qu'ensuite bah je puisse les faire en off parce qu'il commence à y en avoir partout, c'est un bordel. On va prendre la peau. Non on peut pas prendre la peau, bah tant pis. Il y a une affiche, ça me perturbe. Je veux que ce soit un bouquin. C'est un bouquin. Oh ta gueule. Bon, bah du coup on a fait encore un bon petit épisode. Pour la prochaine fois je pense que je farmerai un petit peu. J'essaierai d'économiser pour avoir en spécial le. Oh il y a Stunner Stormer aussi. Guerrier, tout ça. Ouais, il y a pas mal de trucs finalement qui. Oh là là. Terminé 4 escortes armées. Faudrait que je fasse aussi ces missions là. Du coup faudrait que j'en fasse une. Je pense que l'épisode prochain justement on se fera un petit tour de missions secondaires entre guillemets. Enfin secondaires, vous voyez les escortes armées, les trucs comme ça. Genre histoire que bah, après vous voyez ce que c'est et que je puisse après faire ou encore un pour le rebelle. Bon. Pour que je puisse débloquer un petit peu toutes ces merdes. Et là, ouais. Ah non, il me restait ça encore à acheter. Bon. Parce que ouais, du coup, comme j'ai fermé, je me suis un petit peu lâché sur tout ce qui est cartes. Bon, bah j'espère que cet épisode vous aura plu, du coup. Parce que moi, va falloir que je retourne bosser. Et... bah, à la prochaine. Mais oui, toi, t'es gentil. Et puis...